Mon fils, dis bonjour. Bonjour, monsieur. T'es marié? Non, enfin presque. Ça me fait plaisir de te voir. Tiens, mets ta main là. Tu te rends compte, j'ai le cœur qui bat à se rompre. Et toi? Quoi, moi? Tu es marié? Oh non. Et c'est drôle qu'on se soit jamais rencontrés. Oh, il y a longtemps que j'ai quitté la ville, tu sais. Je voyage beaucoup. Je danse. J'ai des contrats un peu partout. Je suis là seulement depuis 3 jours. Déjà un personnage brisé, oui, oui. Un personnage qui attend, qui est une femme abandonnée, qui élève seule son petit garçon. Elle est effectivement, comme vous dites très justement, emblématique des personnages féminins de demi qui ont souvent été des femmes à la fois très fragiles et hautes en couleurs, flamboyantes, comme la Jackie de Maistre de la Baie des Anges, comme Lola, comme Edith d'Une chambre en ville, qui est à la fois complètement perdue et qui se balade à poil sous son manteau. Vraiment des personnages très, très forts. Et oui, les deux aspects sont présents, le côté triste, le côté gay. C'est moi, c'est Lola. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Là, si vous voulez, on n'a pas suivi la chronologie pour ce DVD-là, c'est parce que c'est la suite, évidemment, Lola, Model Shop étant la suite de Lola, ça avait plus de sens de les mettre ensemble. D'ailleurs, on pensait sortir un double DVD et juste avant de prendre la décision de sortir ce coffret, en fait, on s'est dit c'est pas le bon timing, il vaut mieux faire une intégrale. Et attendre un peu et mettre vraiment tous les films ensemble. Hein. Parce que joli dans Model Shop aussi, c'est, on pourrait dire que ce désir de Jacques d'aller à Hollywood avec tout ce que ça représentait, le cinéma américain pour lui, qu'il avait tellement aimé, tellement regardé, disséqué, etc. Et puis finalement, quand il arrive à Los Angeles, à Hollywood, et qu'il fait un film, finalement, il a envie de quoi? Il a envie d'avoir le personnage de Lola qui est là et qui n'a qu'un seul désir, retourner à Nantes. You have only one left. If you want me to do anything. I like what I've got. You don't seem particularly interested in photography. I'm not. I'm more interested in you. Besides, I don't think the guys who come here give a damn for the art of photography, do they? I don't judge the customers. It's not my concern. It's kind of degrading work, isn't it? Why do you do it? To make my living. But I don't like this word, degrading. After all, I don't know what you do to make your living. Me, nothing right now. Then you don't run the risk of degrading yourself by working. You're French. As you can hear. I followed you this morning. Yes, I know. Goodbye. Goodbye. C'est vraiment en même temps très emblématique de Jacques, hein, c'est-à-dire que il y a quand même, comme disait Mathieu, une espèce de, comme ça, de choses un peu brisées, une chose un peu de désillusion et de tristesse, malgré un emballage un petit peu acidulé, quoi. Donc là, je trouve que sur ces deux films-là, on retrouve alors, pour le coup, vraiment ce qu'était Jacques, et en même temps, sa pudeur, quoi. Sa pudeur de façon de raconter les histoires, c'est toujours très, très subtil.